pousse en ligne les contes extraordinaires du pavillon du loisir. Histoire numéro 45. Croqueur de pierre. Il y avait dans la maison de sa haute excellence Wang Tsiwen un palefrenier du même patronyme Wang, qui, tout jeune, était allé au mont du labeur étudier la voie. À la longue, il était parvenu à s'abstenir de toute nourriture cuite, ne croquant plus que pignes de pain et galets blancs. Son corps s'était couvert de poils. Quelques années plus tard, s'inquiétant de sa mère qui vieillissait, il était retourné à son village, où il s'était remis peu à peu à manger cuit, mais sans renoncer à son habitude de croquer des pierres. Il les mirait au soleil pour savoir si le galet était doux, amer, aigre ou salé, et mordait dedans comme un vulgaire tarot. À la mort de sa mère, il retourna dans la montagne, il y a de cela 17 ou 18 ans.